D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super magical chest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une fuite de sneak peek. A priori, Supercell aurait publié ce message et l'aurait enlevé, donc c'est Payne Walker Royal qui a mis ça sur Twitter. Il a enlevé 10 secondes après l'avoir mis. Alors que raconte ce tweet? Que raconte ce sneak peek? Parce que vous voyez en bas qu'il y a écrit sneak peek numéro 1. Alors je pense qu'il va arriver à 14h. Donc quand je vous sortirai cette vidéo, il sera vers midi je pense, ou midi et demi. Mais donc voilà, il arrive à 14h. Alors peut-être je ferai une vidéo à 14h pour vous confirmer cela. Mais je pense fortement, voilà, soit aujourd'hui ou demain peut-être à 14h, mais je pense que ça sera aujourd'hui plutôt, parce que si ça a été mis il y a 10 secondes, c'est que ça va être aujourd'hui je pense à 14h, parce que tous les sneak peeks sont à 14h. Et alors qu'est-ce qu'on aurait? On aurait pour la prochaine mise à jour, donc bah, les tournois logiquement, qui vont arriver donc le 4 juillet, donc la mise à jour va arriver le 4 juillet, donc ça sera le lundi prochain. Et donc a priori on devrait avoir 6 nouvelles cartes. Et donc là ils disent préparez-vous à avoir des nouvelles cartes, voilà. Donc on aurait 3 cartes communes, épiques ou rares. Enfin communes, rares ou épiques. Et 3 légendaires. Enfin après là c'est ce qu'on voit. Ça se trouve on aura plus de cartes. C'est comme l'autre mise à jour, ils avaient présenté quelques cartes et on en a eu plus lors de la mise à jour. Donc voilà, au moins il y aura 6 cartes en plus et du coup 3 légendaires. Donc c'est vraiment pas mal. Après est-ce que c'est vrai? Il y a de très fortes chances que ce soit vrai. Après je l'ai contacté, il m'a dit que c'était vrai, mais bon après voilà, c'est on peut pas confirmer non plus à 100%. Mais en tout cas voilà, je pense qu'il y aura ce sneak peek à 14h. Donc voilà 6 nouvelles cartes, 3 nouvelles légendaires, donc ça serait vraiment super en tout cas. Et ça prévoit donc des pack opening très bientôt en tout cas. Bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une petite annonce pour parler de ce sneak peek. Je pense qu'il sortira à 14h sur Twitter. Je vous mettrai le lien de ce tweet en description si vous voulez aller voir. Et voilà, comme ça vous pourrez aller voir aussi Clash Royale à 14h, le Twitter de Clash Royale, pour voir s'il y a la sneak peek ou non. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao.